Salut mes amis et bienvenue à la maison. C'est déjà sur ma chaîne, mais beaucoup me le redemandent. Donc, rebelote au programme bouillon de poulet. L'élément principal sera bien sûr les carcasses de poulet, les voilà. Puis ses coffres. Pour les herbes, toujours les classiques, thym et laurier. Et pour les légumes, je le dirai au fur et à mesure. Première étape, on s'occupe de la garniture aromatique. Chaudron comme ça. Laurier, 5-6 feuilles. Le thym au fond. Poireau. Couteau vert. Dans le fond. Pour le blanc au fond. On passe à l'oignon, 1/2, coupe 4. Oignon rouge, 2 et 4. Carotte, 4, coupe 2. Céleri, 3. 1, 2, 3, le compte est bon. Maintenant, on passe aux carcasses. Carcasse avance. Le fait d'avoir mis la garniture aromatique au fond, ça sera plus facile pour écumer. Le plat c'est fini. Pince plongée. Chaudron sur le fourneau et on mouille. Largement à hauteur. Et voilà. Le fond est prêt à partir, feu à fond. Le feu à fond pour activer l'ébullition et ensuite on baissera le feu. L'écume commence à se former, donc petite couche et je la retire. En même temps, je dégraisse. En fait, l'écume sert de clarification, donc en final, mon bouillon sera très clair. On tourne et on y va. Le feu, on baisse. On dégraisse en même temps. Maintenant, nous avons pour un bon 2h30 à 3h, en écumant et dégraissant au fur et à mesure. Après 2h30, heure locale de Montréal, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. Feu éteint, chaudron avance, passoire comme ça, protection assiette, et on passe chinois. La louche, c'est fini, et le restant à la mitaine. Passoire soulève, on secoue, impeccable. Contrôle de la qualité, bouillon comme ça, hyper clair, pas gras, il sent très bon, bouche terminée, bouillon revient. On dresse, on goûte super nickel. Maître d'hôtel, restez dormir, c'est pour la cuisine. Et merci à vous qui me suivez dans les Laurentides au Québec et partout ailleurs sur les bails. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.